Je vais faire comme ça. Ouais, normalement c'est comme ça. Alors j'espère que la catégorie a bien été changée, j'en ai pas l'impression. T. A dit bonjour, Merde, je l'ai émoticône pas dans sourire. la Chrotome. Alors j'ai déclenché le mode spécial là qui me plaît pas. Du coup je suis perdu dans l'interface. Le mode théâtre, là je sais plus comment il l'appelle. Bah, tiens d'ailleurs je vois que j'ai un truc mais je reverrai plus tard. Comment je fais pour avoir mon spell lucky dans ce boxon? Faut que je le fasse à la manette, c'est ça? C'est ça, faut que je le fasse à la manette. C'est un truc d'interface digne d'une console. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, je veux lui et je veux y jouer. Je vais remettre le. Ah non, je vais pas faire le rapide, je vais choisir un perso. Je vais choisir un perso, je vais essayer de changer un peu les avatars. Le Dragon Sky. J'ai l'impression qu'il m'ait fait le changement de catégorie. Attendez. Re tout le monde, retourne à la je sais plus. Normalement, j'ai une commande comme ça avec une flèche que j'ai programmée pour changer de catégorie. Sinon, on fait save game. Je dis que ça spamme Lucky One comme ça. Message de FunFan 1992. Effectivement, la catégorie est toujours en discussion. Ouais, merci, mais Twitch et OBS, là, ça va pas. Là, il y a. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Non, on n'a pas joué, d'ailleurs, c'est le tout premier perso celui-là. Le mineur classique de fond. Soupir. Dans la technique suit pas, c'est soupir. Au pire, à l'occasion, vous faites un copier-coller. Je vais faire la modération, évidemment. Vous faites un copier-coller de mon set game. Non, oui, c'est set game, c'est pas cette catégorie. Oh, je l'aurais pas, il est casé. Ah, si. Ce jeu est d'une cruauté rare. C'est une introduction douloureuse. Comme dirait Petit Seb, ça dépend pas où ça passe. Aïe 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 aïe. Oh là là, bon bah ça commence très mal. Il va me falloir une demi-heure de chauffe. Hein. Le jeu est d'une violence. Les modos peuvent changer de catégorie sur Twitch normalement. Ouais, non mais. Voilà, hein. J'ai fait acte de bonne foi, tu vois, Dragon Sky. J'ai essayé de changer la catégorie, ça veut pas. Donc, quand c'est bugué, je m'achète pas. Hein. La faute m'en revient plus. Il y a forcément. Oh oui, il y a des trucs là. Il y a des trucs, il faut que j'ouvre la voie. Il faut que j'aille ouvrir la voie. Il y a des choses par là. Ah. Il y a le beau gauche. Il y a le beau gauche qui nous attend là-bas. Mais je vais y aller. Il y a le beau gosse. Non, pour l'atteindre, je peux pas là. C'est 3 de haut. Ah, faut faire usage d'une histoire de s'amuser. Alors, là on a quoi? Ah, on a peut-être quelque chose. Non, non, non. Encore que je peux. Voilà, j'ai fait un petit saut par le grand parce qu'il y avait le piège. Au moins je gagne une. Bah tiens, j'avais une roche là, j'avais déjà oublié. Donc j'ai pris des risques pour rien.
On va partir avec la roche au-dessus. Un peu de thunes, ça ne s'accuse pas. Voilà, monsieur le blondinet, vous avez peur de sauter dans le trou? Pourtant, la sortie est par là. C'est comme ça qu'on fait, monsieur. Ah, merci pour les clips. Je vois pas pourquoi ça fait l'objet d'un clip, mais c'est pas grave. Ah si, oui, mon département est trop bruyant. Oui, j'avais déjà oublié, toi. Le traumatisme n'est pas présent, Torota, mais merci pour le clip. C'est toujours apprécié. C'est la fosse à serpents et je commence avec une grosse araignée. Oh, j'ai envie de mettre le boxon. Ou pas. Oh. Oh, le diadème me plaît. Attends, y'a quoi là? Je fais n'importe quoi et puis du coup ça influence ma mes choix. Ouais, non, pour une jarre, ils peuvent aller se faire pas planter. Par contre, le diadème que j'ai délivré va me plaire. Là. Alors, il faudra composer avec la grosse graine. La petite aussi. Alors, là, je suis dans la mouise. Allez, saute sur le côté, ma grande, crachée de poil. Voilà. Je sais plus si elle peut remonter. Ah oui, il y a la bombe qui est dans le... Voilà. C'est sport. Oh, merde. J'espère que j'ai pas tué. Ah, je l'ai tué. La violence de la déflagration fait que je l'ai tué. Oh. Oh. C'est comme ça qu'on fait. Le pauvre bon dîner, il est mort. Il est mort. Oh. Bah, le bon dîner m'aura servi jusqu'au bout. C'est moche, hein. C'est très très moche. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai mal. J'ai merdé mon approche. Attends, il y a peut-être. Oh merde, il y a un marchand. Ah oui, je vais pas fermer les yeux. Attends, heureusement que je l'ai vu, que j'ai perdu jusqu'au bout. Vous m'intéressez, monsieur. Appartement. Je pourrais avoir une autre boîte de douce si je fais péter un truc avec des. Avec de l'or. De l'or, de machine de café. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Avec 10 000 dollars, je vais me racheter une autre boîte de douce-bombe. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Ah, l'autre le voilà. Attendez. Hop. Et je me fais oublier. Du fantôme de la muerte. Pour voir si j'ai. Ouais. Voir si ça marche pas. Oh! Oh, c'est le cobra, le terrible cobra de la mortée. Alors, hôtel sacrificiel et en dessous il y a O. On a des choses. Et en dessous il y a. Il y a la Temptation. Il y a la Temptation. Et il y a le cobra. De la Delation. Donc ça veut rien dire. Ah! Oh! 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 Le jeu génère les tableaux de manière aléatoire, mais là c'est très surprenant. Mais vraiment. Oh merde! Oh non, mais je peux pas réussir à me faire. 10 000. Attends, faut que je joue de la bombe. Merde. Ah, elle est sur moi! Ça ne me plaît pas. Ouais, elle va venir me chercher, elle. Ce qu'elle essaie de faire. Oh oh. Merde! Mais non, mais là je me mets dans la mouise. Faut arrêter un moment, les enfants. Ah, ça je veux bien. Ah, dur. Dur, dur, dur. Et puis elle est bien en vie, la vilaine. Mange pas ça. Dommage. Heureusement que j'ai des bombes. Je crois que je l'ai eu. Non, même pas. Deuxième service. Ou énième service. Oui, je crois qu'elle a giclé, j'ai eu du sang.
Ce jeu est abject. Le taux de cruauté est extrême. Là, je vais me faire bobo. Mais oui, la chute est grande, mais elle est obligatoire. Je vais avoir une araignée ennemie 2. Ou pas. Ah non, parce que je suis pas assez. Ok. La bombe, elle est où? Je l'entends. Ah, elle est au-dessus. La bombe est au-dessus. La bombe est au... Oui, heureusement. Merde. Comment je fais? Je fais comme ça. Oula. Merde. Le fantôme va arriver, c'est pas possible. C'est pas possible parce que... la sortie était par là-bas, vas-y. Toi tu te barres. Et voilà, le fantôme est là. Tu te barres. Ah! J'ai oublié l'araignée. Oh, elle m'a foutu les chipotes. Merci, vite, on va se barrer très vite. Oh, je gère plutôt bien. Oh, il y avait encore des araignées au plafond, vous avez vu? Velenbate. Mais il veut pas mon changement de catégorie. Hein. J'ai un refus, mais alors... C'est bizarre que ce soit bugué. Il veut pas que je mette la bonne catégorie. Oh, j'ai des 1000 pipoils. Voilà. Là, évidemment, j'aurais plus de marchand de monde, faudrait qu'elle ait des connards. Ce serait fou que j'en ai 3 de suite. Et toi, la chimite. Bon, les araignées, hein, je finis par me... Voilà. Pour résumer le fond de ma pensée. Autant je suis paracnophobe et plutôt arachnophile. J'ai beaucoup de respect pour ces créatures qui, certes, sont d'une laideur épouvantable, je le conçois, mais qui sont effroyablement efficaces et pratiques. Non. Merde. Voilà, là, il y aurait un gros boom. Donc là, chaque laquelle boom. Là j'ai un excité de roi du fusil. Et là j'ai la sortie avec la bombe. C'est comme ça qu'on fait. Ouais bon, je m'avance parce que. Oh, il y a du matos. Merci pour le cadeau des babes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est la pauvreté par ici, je me trompe. Oula, moi j'ai foutu un cobra, je vais me barrer. Wouah! La jarre de la méchanceté. Je veux bien ce diadème. Non mais vous avez vu la puissance de l'œil de Kali? Je vois dans les murs où sont les joyaux maintenant. Alors par défaut on voit les pépites d'or, mais pas les joyaux. Ça... Ah c'est... Vous voyez? Regardez. Avant que le fantôme arrive, je suis malin. Je rentabilise. Je mets une bombe là, je vais avoir et l'or et le diadème. Voilà, hop. Voilà, j'ai... Alors, oserais-je dire j'ai rentabilisé ma bombe? Quelque part, oui. C'est fou. Alors, Torata, tu me dis, pour le changement de catégorie, ça me l'a déjà fait. La seule chose, c'est qu'il faudrait faire, c'est couper OBS, relancer. Oui, non, 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 non. Non, non, mais si on me cherche les poux en disant vous avez pas déclaré la bonne catégorie... J'ai la preuve, donc ça marche pas, je prends le bac. Mais merci toi, pas. J'étais pas sûr de mon saut. Alors la terrible jungle, vous voyez, j'y suis arrivé naturellement sans me rendre compte. C'est que je deviens bon, la semaine d'équipe. Je voulais vraiment pas avoir les bons réflexes. La bombe est en dessous du bac à Piranha. Ça vaut le coup de la tenter. Piranha est mort, j'espère, il est possédé. Oui, Piranha est mort. Est-ce que... Ce qui me fait chouer, c'est la pauvre carnivore. La pauvre carnivore me pose un gros souci. C'est beau, une petite cascade. Alors, Zelle la blonde. Comment je gère? Dommage. J'avais espoir d'avoir un autre. Ah,
pas trop comment jouer. C'est ce que je fais bien. J'ai eu du bol. Je suis à 2 cm d'un pic qui aurait dû me... Tant pis pour la blonde. Attends, ils ont des petits bons, mais je peux jamais attendre. Je vais la voir parce que la déclaration bonjour. Donc la sortie est en bas. Ouais, c'est tout bénef. Je vais pas prendre le risque. Oups. Non, mais j'ai merdé ma vie. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ma caméra est un peu trop à gauche. Oh, peut-être. Non, puis c'est moi qui suis mal assis. Je suis un peu trop penché. C'est pas bien d'ailleurs. Tu fais bien de faire la remarque, Torota. Merci. Non, le crapaud est de mon côté, c'est pas bon. Hop, hop, hop. Va mourir, toi. Ah. Oh. Alors attendez, il y a des trucs là. Là, il y a des trucs à faire. Un peu de culasse. Un peu de poison. Merci. J'arrive à récupérer l'or. Donc là, comme la troupouche elle est morte. Oh le piège. Oui, je peux encore revenir, je vais regarder ce qu'il y a. Ah, il y a du matos en bas, mais... J'ai peur de me faire un papa outé. Ça parle mal. Ah, la blonde. Ou le blondinet. Qui est pas forcément dans le mal. Il n'est pas forcément dans le mal. Oh! Oh merde! Une explosive en bas. J'aurai un autre caillou ici, toi? Non. Non, non, non. Donc ça va pas le faire. Est-ce que je peux mettre la jarre sur la. Non, je peux pas. Merde! Elle va poser problème, la tortue orange. La tortue. La grenouille orange, là. Pardon, excuse-moi, je vais pas te fouetter. Je prends le risque de faire tomber le blondinet en contrebas alors que je suis même pas sûr de ce qui m'attend en contrebas. Ah, la sortie est là-bas. Oh, oh là là, mais c'est quoi cette configuration de mort? Allez, je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort. L'explosive, je sens que ça va mal se finir. La grenouille orange, là, ça va pas. Encore que, j'ai une bonne. Bam. Voilà, ça c'est fait. Alors, toi mon grand, tu vas te barrer là. Moi, je vais récupérer mon caillou à survie. Il y a déjà le foot fantôme. Ah, cochonne. Eh ben, on est dans la mouise. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Tant pis pour le caillou, viens avec moi le bon. Viens avec moi le bon. Ouh. Vache. Dur, hein. Dur. Infâme. C'est plus dur là, c'est niveau infâme. Que je passe par. Attends, je vois pas où j'ai pas vu. Et le mec, avec une pointe carnivore derrière, pardon, mais autant laisse-moi en papauté. Attends, ah mais c'est une pointe carnivore que j'ai vu. Merde.
Merdoum, il faut que je perde quand elle me tourne le dos. Voilà, là, hop, là je remonte. Hop, là je redescends. Il y a un piranha, deux piranhas, c'est l'horreur. Le truc, c'est qu'il faut aller en bas, mais possible de pas crever. Oh là 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 là. Technique de la muerte. La torche. Ça. C'était pas un cadeau qui vient. Merde, il y a un crapaud qui fait des boules. C'est pas une bonne nouvelle. C'est un escargot, pardon, pas un crapaud. Ouais, j'ai réussi à la sauver. Je reprends ma torche, je rallume ici pour avoir un bonus. Est-ce que ça vaut le coup de péter le truc et passer directement en dessous? Vu la thune, allez, soyez fous. Vu la thune. Hop là! J'aimerais savoir où est la sortie. Non. Non. Bon, il n'y a plus qu'à prier que je prenne la bonne direction. Oh là 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 là, mais ils vont jamais être synchro au même endroit. Oh, il l'a dans la tronche. Oui! Magnifique ce que j'ai fait. Magnifique. J'adore. Oui! La sortie au bon endroit, j'ai gagné. I am a professional. Wouh! Incroyable ce que je suis en train de vous faire. Waouh, waouh, waouh. Je suis en état d'esprit Spen Lucky, là. Je me transcende. C'est beau. Profitez, hein, ce sera pas tous les jours comme ça. Surtout qu'il me reste plus qu'une bombe. Ouais, j'en connais une qui va me poser problème. Bon, on va descendre. Ah merde! Ah, je pensais pas qu'il avait une telle portée. Bon bah voilà, terminé. Oui, j'étais tellement proche, ouais, il commençait vraiment à faire froid et être proche du niveau des glaces. Ouais, dommage. Hein. Mais je me souviens pas qui... Oh là là, vous voyez, même dans la mort, ça continue, c'est horrible. Je pensais pas que les hommes boomerang avaient une telle portée. Salopards, ils sont redoutables. Mais je suis content, je suis très bien. Là, mon honneur est sauf. Vous voyez, je joue jusqu'à 15h. Encore une grosse heure. Et on a déjà vu la jungle. Du coup, je vais jouer hyper relax. C'est peut-être là où je vais faire des performances. Alors, je dis peut-être. Parce que vu ce qui se présente à moi, je ne peux que parler au conditionnel. Ah, on entend la blonde. La blonde qui est en bas. Oh. Merde. Je croyais que je pouvais. Merci. Oh merde, un scorpion. Oula, ça craint. Allez. Ah, le scorpion. Ah ok. Oh là là. Faut aller la chercher avant la blonde et j'ai plus qu'une blonde. Ah, comme ça, hop, reviens. Je vais essayer que très peu de liberté à la bombe et je suis mort. J'ai plus de bombe, je peux rien faire. Je suis mort, je suis coincé. Je vois pas comment je peux me libérer là. J'ai des cordes, mais ça va me coûter une fortune. Merde, non. Non, non, je suis foutu là. Foutu ou grand foutu. J'essaye. J'essaye proprement, mais...
Le premier niveau qui m'a ruiné, quoi. Je reviens au départ, et en fait, fallait aller à l'opposé. Alors, attends, la bombe ne bouge pas. Voilà, doucement. Alors, j'espère qu'elle va au bon endroit, la malheureuse. Parce que j'ai eu pas le temps de vérifier. Bon, là, ça vaut pas le coup. J'ai mis un caillou. On descend, je suis en main. Oh, la bombe a beaucoup descendu, là. C'est pas forcément rassurant. Bon, j'ai gagné des cordes, mais au prix d'un risque fou de comme tout à l'heure. Non, le fantôme qui est déjà là. Comment ça? Ça fait 2 minutes et demie que je panne dans le niveau. Mais c'est un scandale. Voilà, je me plains du... J'ai pas le temps d'aller chercher la caisse de matos. Non, j'ai pas le temps. Vilain fantôme, boum, tu mériterais que je te balance mon caillou dans la tronche, mais ça fait rien. Ah, vous êtes d'un calme dans le chat tout d'un coup. C'est fou. Ah, près de 10 000 de tunas, c'est bien. Je crois que tout le monde digère. Pépère son déjeuner dominical. J'ai beau le confort. J'ai beau. Dernier échange. Je m'y aventure, je suis fou. Je deviens rapide. Ah merde, c'est vrai que j'ai plus de bombes. Faut que je me rappelle que j'ai plus de bombes. Faut arrêter les conneries. Je suis condamné à descendre. Oh, joli, j'ai pas fait exprès, mais c'était stylé. Merde, j'ai loupé un coffre, oh, dommage. J'ai pu avoir de la tunache. De la tunache. Il y a trop de toiles d'araignée. Ah oui, de la potage, de la tunache. Attends, la jarre, j'aimerais la tester. Ah bah voilà. Je l'ai testé dangereusement. Là, j'ai mis petit caillou pour... Oh, c'est gentil. Quel agréable cadeau. Alors, attendez. J'achète. Pourquoi J'entends la blonde qui est sur le chariot. C'est ça? Ça, je l'ai pas sauvé. Est-ce que j'attends de la sauver tant qu'il n'y a pas le... Wouah, elle est emmurée. Elle est emmurée, mais c'est jouable. C'est jouable si je fais ça. Non, ça. Ah merde, j'ai lancé une corde. Mais quelle naze. C'est là qu'il faut que je lance la corde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, viens avec moi, toi. Déjà que va avoir sa pâté pour chien. C'est canigou des grottes. Oh, bah tiens, je suis... Hop, du rab. Merci, monsieur. C'est peut-être ici. Ça y est, le fantôme de la moelleté qui arrive. Mais moi, il m'enfouit. Il m'enfouit dans la nuit. Pour pas chercher les ennuis. Ah... C'est cool. C'est cool, Raoul. J'ai la chair de poule. C'est le niveau des araignées. Allez vous faire tisser. Il y en a beaucoup, là. Vous ne passerez pas. Ah, la blonde est tout opposée. Alors, que fais-je? Que fouille-je? Bizarre cette configuration. Elle m'inspire que moyennement, mais bon. Alors attends, je vais peut-être jongler avec les cailloux. Les cailloux de la mortée. Elle s'est. Oh, ah merde, il y a la clé de Cali là.
Ça, je sais pas si. Ah bah la blonde est là. Je sais pas si ça vaut le coup ça. Bon, je vais taper ça. Ah ouais, ça valait le coup. Il y avait des bijoux dans la toile d'araignée. Oh, la fosse aux arachnides. Extraordinaire. Hey, peur. Je me cherche fait peur. Alors, Merde. La config me plaît pas parce que c'est le chien qui va déclencher le piège de l'araignée. Mais trop tard. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Nickel. Alors, excellent l'œil de Kali. C'est excellentissime. Non, je oh là, oh oui, bah tiens, je crois que je suis là. Au moins, ça s'est fait. Ah, bonne ou mauvaise chose. Alors j'ai fait bobo. Ah merde, j'ai tué la blonde. Bah, il y avait quoi dans le truc? Oh, j'ai tué le chien. Les araignées de la moelle. Je dis non. Oh, j'ai pris des risques. Ah, il vend des flingues, le marchand. Des flingues qui s'appellent bombes. Allez, la bombe est chez moi. C'est moche. Je laisse la dépouille du chien devant la sortie. Je suis un monstre. Et là, la petite araignée qui va se repaître du... Elle va devenir une énorme après. Après avoir siphonné, siroté le chien. Ah, oh, c'est horrible. Ce serait terrible comme animation. Ah. Oh. Oh, 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 il va se passer des choses. Alors, attention. Merde. Bien, attention, scorpion. Joli. J'ai limité la casse. J'ai sacrifié qu'une seule vie avec mon... Oh, la blonde est là. La blonde est là. La. La blonde est là. Dali, elle est fâchée. Elle m'a mis plein de araignées sur les araignées. Ah non, elle m'a mis une chauve-souris de la muerte. Non. Oula, ça. Si je pose une bombe, il se passe quoi là? Bon. Alors. Voilà. Hein. Réflexe. Réflexe félin. Magnifique. Magnifique. J'ai dû me faire 8 araignées en une vie. Ah la blonde, c'est vrai que j'ai une blonde à sauver. Et je suis un monstre. J'ai oublié la blonde. Non, c'est par là la statue. Hop là. Bonjour mzelle. Qui vous faites la mzelle? Vous allez vous faire bobo mzelle. Ouais. Bon le j'ai la poche où j'ai le pan de la volte. Ah. Je vais libérer la muselle, tant pis. Prise de risque. Prise de risque. Ah oui, la blonde va se faire tuer par le cobra. Salopard de cobra. Et il a failli me tuer à lui. Ah, j'avais pas vu le sadomaso. J'avais pas vu le sadomaso dans l'eau. Voilà pourquoi je suis bloqué. Ouais, bah je suis dans la mouise. Je me solidise. Tiens, mange pas le coffre. Non, je veux pas de lui. Bon, faut que je me barre vite. Oh, il y avait une pioche. Incroyable. J'avais libéré une pioche. C'était une pioche cachée. Ah. Toujours pas la catégorie. Toujours pas. Oh merde. Comment celui-là?
pardon, mais c'est quoi un piège le... Il n'y a pas de piranha dans le bassin, il y a un petit poisson, il y a quelqu'un qui peut me bouffer. Pardon, mais je vais y aller. On va tester, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Bah... Oui, c'est pas grave, c'est juste que je suis pris dans le bassin, il me reste une corde. Au pire, je me suis dégagé à la bombe. Mais... Merde, je peux pas toucher. Mais il a fini, oui. Mais t'as fini de me dépouiller. Bien fait pour ta tronche. Ah, on est sorti. Cette scène entre sadomasochiste. C'est honteux. C'est honteusement drôle. Ah merde, lui il est encore en état. Non. Voilà, tu payeras pour tous les autres. Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. La catégorie. Et vous avez remarqué comment j'atteins aisément la jungle maintenant? C'est que je me suis vraiment amélioré. C'est fou. C'est fou. Ce jeu vous met dans une gymnastique cérébrale. C'est, je suis en train de me muscler le cerveau en gym Spin Lucky là. C'est flagrant. Ah, c'est tentant de prendre une caisse là-haut. Ah, il y a un marchand en bas. Non. Merde. C'est pas ce que je voulais obtenir. J'ai même du bol que le marchand soit pas offensé. Vraiment. Oh, savoir où il a sorti est sympa. Oui, volontiers. Volontiers. Oh la vache. Hop. Ah, c'est à la verticale en dessous de moi. Attendez, je vais essayer de faire l'économie d'une bombe. Il y a monsieur Sadomaso. Faudra que je fasse gaffe au niveau des cordes, j'en ai plus. Attendez, ça vaut quoi ça? Oh, c'est pas con. Il y a quoi en bas? Merde, il y a un Sadomaso. Ils sont chiants les Sadomasochistes. Pardon. Ah bah il m'a tué. Je l'ai mal géré, il m'a tué. Re Christella. Merde. Il aime ça. Regardez-moi ça comme il aime ça le SM là. Gros vilain. Il en a remis une couche. Bien fait. Bah. Allez, je provoque la chauve-souris. Pas dans le bon sens. C'est pas grave, mais c'était pas dans le bon sens. Donc j'avais pas maîtrisé mon geste. Faute. Comme au tennis. Faute. J'ai aucune idée de la localisation de la bombe. J'aime pas cette configuration. Je l'aime tellement pas que je fais comme ça. Merci. Attends, la bombe est là-bas, en haut ou en bas? J'ai l'impression que ça fait un peu vers le haut. Oui, c'était un peu beaucoup vers le haut, c'est bien. J'ai une bonne lecture du son. Et j'ai des oreillettes, hein. Enfin des écouteurs. Donc la spatialisation du son, GG, bravo. Je dis respect. Je dis respect de comment je fais là. Je dis respect de... Parce qu'une bombe parle dessous. Une bombe parle dessous, je suis abject. Lapsus honteusement coquin.
une bombe par le dessous, pardon. Ouais, je vais essayer, Christella. Merci de la suggestion. Attends, je me permets de faire une pause rapide pour essayer ta suggestion. Alors, sans les guillemets. Non, et oh, il faut lui. Reprends le jeu. Encore. Oh. Je vais t'envoyer. Eh, hey, me coûte cher en bombe, hein, la bombe là. La bombe qui va descendre le temps que je pille le côté opposé. Bon, ça va, ça a été rentable. Mais j'ai intérêt à acheter un paquet de bombes chez le premier vendeur que je croise. Allez, zou, on se barre de là. Non, mais tant pis. Ouais, c'est quand ça veut pas, tu vois, Christella, c'est fou. Hein. Oula. Très bien. Moi j'ai du corps. Maintenant il me faut des bombes. Une pierre de coup. Bah oui, j'ai plus de bombes. Merde. Crotum. Bordelum chutum. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Enfin, j'arrive pas à voir si. Alors il y a de la thune, mais. Allez, l'aventure, c'est l'aventure. Merde, j'ai merdé mon lancer de cailloux dans la tronche du. Ah merde, c'est le coffre à la clé. Mais où est la clé? Ça, c'est la grande question. Pardon? Ah oui, c'est un topaz. J'ai cru que c'était un cobra que j'avais libéré. Alors attention. Il y a un piège. Ah bah non, puisque j'ai le. Voilà. Très bien. Au moins ce coffre me sert de manière originale. Très très bien. J'ai plus de bombes, je suis dans la méga mouise. Je suis dans la méga mouise. Je le dis. Oh la vache. Toi, fais pas de mariole. Hein. Ouais. Merde. Je suis dans la mouise. Intersidérale, je suis vraiment dans la mouise intersidérale. Non, je peux pas atteindre le bout. Je perds bêtement mes vies par Pikachu, vous l'aurez observé. Oh là 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 là, il y a des corps. Il me faut encore une autre corde. Non mais non. Je peux pas. C'est pas possible. Je vais faire l'idiot avec le fantôme. Allez viens le fantôme, viens. Bien, ah merde, l'étoile d'araignée, dommage. Ah, je m'en sors. Hop, la descente la plus rapide de mini. Voilà, avec un cobra, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Non, je me barre. Incroyable. Bajar. Non, je me tue moi-même. Bon, allez, on va arrêter le massacre. Ce que je viens de faire, sinon, là, j'ai perdu trop de matos. C'était catastrophique. C'était la malchance. Ou la non-maîtrise, diront certains, mais. C'était pas possible, c'était pas viable. Oh, c'est d'un vide. C'est d'une pauvreté. Je vous l'ai dit, c'est de la pauvreté. Ah, j'ai pété un truc.
pourquoi je sais pas. Mais... Je me souviens des deux. Ça, on va pas dire non. Y'a quoi là-bas? Ah ah ah! Mais y'a tout là-bas! Un beau gosse et des caisses de matos. Et j'aurais fermé les yeux sur ce secteur, mais pas moi. Oh! Et puis une boîte de 12 bombes! Avec un rap de 3, ça fait 15 bombes offertes. Ah! Ça y est, je peux me sentir. C'est le festival des artifices avant l'heure. Alors, y'a pas de pique, y'a pas de pique. Monsieur de Bondinet, tu vas descendre là. Ça va tirer un serpent. C'est ça, coince-toi dans une toile d'araignée. Même pas. C'est dans un interstice de l'interview qui s'est coincé. Oh! Oh non! Je me suis fait avoir encore un bleu. Merde. Souris, elle va me faire ma fête. Ouais, merci d'essayer, ouais, fait fan, je veux dire. La beau gosse, t'as fini de faire le dissident? Oula! Oh oh, c'est arrivé de la montée! Non, allez, je vais faire le corps, Oh! Oh oui! Oh, 30 bombes! J'ai pas le droit de perdre, c'est pas possible, c'est la jouissance! Ah ah ah! Ah, j'adore. Non, je vais peut-être finalement faire ce que m'a suggéré, je sais plus qui te retache, je crois. C'est, je vais peut-être fermer mon OBS très rapidement et le relancer derrière pour retrouver la catégorie, mais... Enfin, vous direz non, je suis en jeu de chatting. Ah non, il faudra mettre voyage et... Je veux dire voyage et tradition. Voyage et découverte. Voyage et tradition. Oh, le coffre il est en haut, vous avez vu? Le coffre verrouillé, c'est cool. C'est combien? C'est 2500. Oh, j'ai la tentation. 42 bombes. Mais, il va falloir que je fasse une capture d'écran. J'ai jamais eu autant de bombes dans Spell Lucky. Et ça va continuer. Le mec il devient fou. Ah merde, pas assez, tant pis. Ah, attendez, la vilaine. La vilaine. Oh, non, j'ai failli utiliser une corde, mais non, c'est idiot. Vu la place que j'ai réussi à me faire en escalade. 44 bombes! Je suis un individu dangereux! Qui dit mieux? Ah, ah oui, oui. Et la bouclinette Shiraz, ça. Blanc. Blanc, pas dans ses dents. Oh! Et là, non. C'est un chiche. Hop là, joli! Cette dextérité. Oula. Cette configuration de la moitié, oui. Y'a quoi là? Il y a une araignée que je peux tendrement flotter. Je sais pas si ça va aller plus. Ouais, je peux pas risquer. Alors là par contre j'en prends. Non. Oui, merci. Ah merde! Ma bombe a tué le... Oh, oh non, c'est abusé, la clé en... Elle est tout en bas et le coffre tout en haut. Non, non, mais non, non, faut arrêter. Ouais, j'allais dire, j'ai pas le droit de me louper, je me suis loupé. Voilà, ça c'est fait. Ah merde, le photon est déjà là. Vite! Beaucoup de bombes.
Non, je vais perdre toutes mes bombes. Non, je veux pas perdre toutes mes bombes. Vite. Cours, Forest, cours. Elle est où la sortie? Elle est là-bas au loin. Bien, le mec qui se promène avec une clé en or. Vous allez voir que je vais faire tout mon parcours avec une clé en or en main. Bon, alors j'ai beaucoup de bombes, mais j'ai plus beaucoup de vie. Ce qui est pas... Ce qui est déséquilibré comme... Comme si... J'ai quoi? J'ai deux vies, je crois. Ah ouais, ça craint. Ça craint. Ça craint le bordel. Si je mets la bombe là, elle va passer un mille quart d'heure, donc je vais la faire tomber dans ce sens là. Moi je vais essayer de faire péter une bombe là, parce qu'à mon avis je peux faire un gros pactole. Si l'explosion est maîtrisée, les caisses pètent au-dessus. Ou pas. Mais y'a de la punaise. Message de FunFan, 1992. Si j'ai bien compris au niveau des catégories Twitch tolère, tant que ça reste des catégories publiques, juste discussion, à un jeu au moins de 16 ans. Ça passe si tu devais faire un jeu au moins de 18 ans, dans une catégorie publique là, c'est une sanction. Ah, intéressant. Merci pour l'info, d'avoir creusé le contrat de politique Twitch. Merci FunFan, oui c'est FunFan, merci, bien joué. Ah, tu apprends un truc. Non, mais je pense que juste avant la promenade, je vais couper OBS et le relancer rapidement. Non, non, ce sera arrivé. Merde, ma bombe est là au-dessus, je crois. Ah non, 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 ma bombe est tout descendue. Non, non, la bombe est tout descendue. Alors, le fantôme va arriver, là, j'ai mis trop de temps, c'est possible. Ouais, magnifique. Dommage que j'ai pas eu la chauve-souris. D'ailleurs, les serpents mériteraient que je les... Attends, mais où est passée la bombe? Attendez, là, je comprends plus. Oh merde! J'avais pas vu qu'il y avait une grosse araignée. Ah! Le serpent! Le serpent qui suit le boulet! C'est rigolo! J'ai merdé mon truc, mais c'est drôle. Là, tu fais... Oui, voilà, mais non, oui, jeu tout public, catégorie de discussion, toléré, même s'ils sont pas contents. D'accord. C'était rigolo comme... comme situation. Le serpent qui se fait traîner par le boulet, c'est juste énorme. Tant pis, j'ai perdu mes 44 bombes, mais on aura bien rigolé. Ouais, j'ai entendu le beau gosse qui est en bas à droite, là. Mais, est-ce qu'il y a intérêt? Non, il n'y a pas beaucoup d'intérêt là, dans l'histoire. C'est tellement bien d'avoir plusieurs dizaines de bombes. Mais voilà, je sais pas, je parle avec cette confiance après, vous voyez, je fais l'idiot, et puis... Moi je continue un peu en solo. Oui. Il y a peut-être des trucs intéressants. Non, j'ai une chauve-souris. Il voulait me mordre de toutes ses dents. Merde. Alors ça c'est pas cool. Ouais. Faut vraiment passer d'une traite sans hésiter. La blonde. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah si, quand il est tombé, il a fait ça. Si, ça y est, je vois la logique du jeu. Non, c'est bon, je vais avoir mon bisou.
44 bombes, j'espère que tu parles pas de ton RM. Non, non. Oh là là. Et tu sais quoi? Tu me rappelles le coup du prince de... Pas de Bel Air, non. Salutations à Will Smith, c'est pas là où je voulais en venir. Le... Non, le roi, pas le prince. Le roi de... Le pays où on boit de la bile de serpent, là. C'est super violent, épicé. La Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Le roi de Thaïlande durant le... Non, pas le marquis de Sade. Encore qu'on n'en est pas loin. Le roi de Thaïlande qui avait été fait prisonnier à cause de la pandémie et du confinement à l'international, au moment de l'Europe qui était figée, il s'était retrouvé dans un bordel en Allemagne avec une dizaine de prostituées. Ça avait gueulé dans son pays. Et il avait été la risée du monde, le roi de Thaïlande. La honte. Il était coincé dans une maison close allemande à consommer une dizaine de prostituées pendant le confinement. C'est... J'ai archivé l'article de l'époque tellement que c'était... Waouh. Bref, je la bouge, je l'ai entendu sur la droite. Je l'ai entendu sur la droite. Ok, j'y vais. Ah, bizarre. Bah, petit regret pour ma part. Oh. Bah, je crois que j'ai... Ah merde, j'ai plus de bombes. Oh non. Ah bah la bombe est là, mais je crois que j'avais encore une bombe. Merde, je suis plus monté. Oh, chutoum. Merdoum, chutoum, bordeloum. Mais je suis pris en stéréo par les chauves-souris. Donc je crois que la blonde c'est foutu. Alors attends. Oh 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 oh. Un centimètre devant moi. Merci, je me sens mieux. Ah si, il y a de la thune. Bon, moyen là ce que je suis en train de faire. Je vous laisse les amis, je vais à mes occupations, oublie copain. Bisous, ton retard à plus. Oui, pour ceux qui veulent le programme. À 15h, Nayone me rejoint à 15h pour la promenade, la nouvelle promenade, dont vous avez vu déjà une demi-heure précédemment. À 18h, j'enchaîne sur Resident Evil, la suite, là où je me... Tableau mystère à 20h. Et peut-être que si je suis en forme, je ferai une deuxième partie de Resident Evil jusqu'à 22h. Mais après, j'irai voir Nash sur son Zelda sur Kick et compagnie. Voilà, voilà. Vous avez tout le programme. Ah, ça me fait suer de balancer une bombe alors qu'il y a trois lingots. Je sais plus, je crois que les lingots vont gicler dans... Ouais. Ah non, je conserve l'intégrité des lingots d'or. Ok. C'est juste qu'ils deviennent des projectiles. Je m'en souvenais plus, vous voyez. Merde, ok, il est tombé. J'ai peut-être besoin de plus bas. Non, je vais pas chercher le petit lingot là. Alors là. Là, qu'est pas ça. Là, qu'est pas ça, que c'est la muerte à droite et à gauche. Ah, j'entends le chien. J'entends le chien. Je crois qu'il est bon de passer par là-bas. Merde, le squelette a pris vie. Ah, c'est intéressant. Magnifique. Le tir a été prodigieux. Le diadème est prodigieux aussi. Ah, prodigieux en éclat.
Ah merde, j'ai fait la surprise bêtement. Alors, attends, le caillou peut descendre. Je veux la caisse. Caisse. Ah, c'est bien. Les cordes, ça équilibre mon équipement. Allez, waf waf. Blah, c'est quoi cette arrivée de la mort? Non mais dis donc. Allez, je vous offre une petite bombe en cadeau là, parce que vous êtes un... Voilà, plein de vie. Hein. C'est ça, mourir. Mourir, ne revenez plus jamais. Je vais chercher. Hop là. Merde. Alors elle va me poser problème. Voilà. Voilà. Il y a des configurations, mon cerveau il bug. J'ai pas de solution. J'ai pas encore le réflexe de cette combinaison là. Et mon cerveau refuse, donc je me fais avoir. Vous en regardant, je pense que vous avez la solution devant votre écran, mais. Ah, c'est pas vous qui tenez la manette. D'accord. Génial. Un cobra sur l'hôtel sacrificiel de Kali. De mieux en mieux. Oula, il y a de la casse. Oh non! Faut que j'atterrisse sur le cobra au bon moment. Ah! Un cobra peut en tuer un autre. D'accord. Oh non, c'est horrible comme config. Je préfère. Non, monsieur, hein. Voyez. C'est abject. C'était abject. Je suis traumatisé. Je fais le qui m'a traumatisé. Ah. Ah, sauf que là, pousser le bloc va pas être un avantage. Faut le faire péter. Ouais, c'est mieux. En plus, on va plus vite. Ah merde, et puis il y a du matos en bas. Ouais, non, mais la config est trop chiante. La config est trop chiante. Ah, ça doit se voir hein, quand même, c'est fou les réflexes félins qu'on joue à Spelunky à force de faire tac 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 tac. Tout devient instinctif dans la lecture du tableau. Non, si vous avez suffisamment pas outé, je vais commencer par là. Je vais aller là. Je crois que la sortie est par là. Hop là, joli. Merde. Attends. Oh non! Mais faut arrêter! Mais hey, mettez la musique égyptienne là! Les pyramides. Il y a des serpents partout là. Faut arrêter! Allez, sortez-moi la momie Dalida, ça complétera le tableau. Ça parle mal. Ah, Dalida la momie. La première momie qui vendait des disques ronds. Je suis méchant. Je suis méchant. Je t'y l'échouille. Ah, tu nas, bien pour le premier tableau, bien. Oh. Merde, c'était ma dernière gorgée de mug de café, c'est... Ah. Je me referai de la flotte qu'on passera à la promenade dans une demi-heure. Oula. Alors, réfléchissons. Ah, ça se fait pas, c'est dommage. J'aurais aimé pousser le. Mais tant pis. Non, la jarre ne m'a pas protégé. Tout ça pour ça. Et là, j'ai des regrets. Oh non, mais non, allez là, voilà, là, j'ai plus que des regrets là. J'ai perte de temps, de vie et de matos.
J'aurais dû ignorer ces pièces coûteuses de l'enduit. Oui, bah, je crois que la bombe elle est mal barrée. Ah mais elle est un peu emmurée d'ailleurs la bombe. Je sais pas, elle est sous l'eau. Soyons Genelus. Non mais non, je vais pas la libérer. Je vais être à l'angle mais je vais pas la libérer. La blinde. Il y a intérêt à ce que je gagne des bombes. Attends, ça je gagne pas. Il y a intérêt à ce que je gagne des bombes dans ce niveau. Parce que là, je n'en ai plus au compteur. Je dis non. Ouais, la blonde. Il y a intérêt à ce qu'il y ait un marchand de... Un bon marchand de blonde. J'ai vu un marchand, mais je sais pas. Ah oui, il est de blonde. Mais ça va. On va s'arranger. Allez, dis-moi que c'est des blondes. Cochonnerie de jeu. Ouais, on va repartir à l'opposé si j'y arrive. Oh merde. Je suis désolé, le chien, tu vas m'aider là, mais merci. T'as gagné un suppo. Oh non, merde, il y a déjà. Merde! Oh, quel dommage! Encore que là, j'aurais été malin, j'aurais pris une corde pour me pendre. pour prendre de la hauteur et passer par-dessus l'obé, si je puis dire, le fantôme. Merde, la bombe est là-bas. Oh là là. Bah tiens, très bien le projectile en cadeau. Il va me servir le projectile en cadeau. Non, pas toi. Plus tard. Bon, bah merci. La flèche ne sert plus à rien. Du moins, je le crains. Allez, on va stopper le supplice. On va se barrer. Descends là. Merde, j'ai pas vu ce qu'il y avait dans la jarre. Oh, il y avait un second. Le coffre aux bijoux d'Irem. Ça, je sais pas pourquoi, mais la jarre là, je la sens pas. Pourtant, c'est du hasard. Hein. Mais je la sens pas. Et pourtant, elle était neutre. Il y avait rien dedans. C'était une jarre vide. C'était une jarre vide. J'espère qu'au niveau prochain, j'aurai plein de bombes. Et plein de bombes. La léchouille de l'amour. J'ai beau. J'ai dit n'importe quoi. Ça m'a fait gigir. Plaisir, gigir. Monsieur, Fakir et Mir. Je sais pas quoi. L'homme du désert. Le bédouin. Tatali, tagalette, soin. Je trouve cette configuration de tableau plutôt vide et gentille. Oui, c'est très souple. C'est bien, j'ai mon caillou pour la suite. J'ai pas de suspicion de présence de... Merde!
De blonde, pardon. J'ai loupé mon enchaînement. Étrange, il était étrangement vide ce niveau. C'est fou ça. C'est fou. Pas intérêt à sauter ou non. Qu'est-ce que c'est que cette confinée? Ouais, c'est parce que j'ai 13 mois. Ah! De l'intérêt de bien explorer les niveaux. Poil au dos. Alors, Mzel. Eh ben, dis donc. Vous êtes mis dans une situation, Mzel. C'est terrible. Ah, très bien géré. Très, très bien géré de la beauté. J'étais beau, j'étais pas. La blonde doit-elle passer par là? Je ne pense pas. C'est délicat. Non, elle va descendre toute seule, donc je peux prendre mon caillou. J'espère qu'il n'y a pas de pic en bas, mais c'est bon. Merde, je vais lancer le caillou, mais c'est la bombe qui va. Ah non, je peux fouetter. C'était le bon choix. Merde où? Ah bien, j'ai fini une jarre, tiens, en lançant le caillou. Oh, j'ai pas aimé le son, comme si j'avais libéré un cobra. Ah, il y a un cobra. Alors là, c'est plus que délicat comme on dit. Pardon, excuse-moi. Fallait pas s'approcher de moi, malheureuse. Je suis désolé. Hop là, c'est maintenant jamais. Ah, il y a une clé. Il y a des choses en bas qui m'intéressent. Oh, mais il est super dangereux ce cobra. Merde. Non, mais allez vous faire. Allez, viens la vilaine. J'aimerais sauver la blonde. Ah, je veux bien acheter des bombes aussi. Merci monsieur. Non, le fantôme est déjà là. Il y avait des trucs intéressants. Ah, il y avait le l'œil de Kali. J'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps. Ah, sans l'œil de Kali, je vais perdre des gros avantages. Ah là 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 là. Mais on a vu la plus grosse vacherie du coffre tout en haut et de la clé tout en bas. C'était moche. Oula, ça faut pas le gérer. Joli. Oh, magnifique. Oh, 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 oh. C'est comme ça mon frère. Alors du coup, j'ai pas vu ce que proposait le marchand. Non, ça m'intéresse pas. Merde, la bombe est au-dessus. Alors la bombe par contre elle m'intéresse. Enfin le bondinet, la bobosse. Le SM et moi on va pas être copains. Merde. Merci. Attends, la sortie elle. Je n'ai aucune idée de où elle est sortie. Les chauves-souris vont me faire suer. Allez, venez. Non, c'est le caillou que je voulais, pas la blonde.
Eh bah heureusement que je peux piétiner chauve-souris. Alors désolé. Comment dire ? Tu es dans une situation très fâcheuse. Tellement fâcheuse que je vais faire péter la zone. Parce que l'épicrète est mort. Non, mais non. Mais non, mais allez vous faire un papa outé. Oh non, ça doit être interdit, jamais. Attends. Voilà, j'arrive. Ou pas. Merde. Cette situation est catastrophique. Ah! Ah! Alors, comment dire? Ah. Je sens que la blonde va mourir. Non! Touché, vilaine. Ouais, ouais, ouais. Ah! J'ai fini par la mater, mais j'ai plus une vie. Avec toutes ces périgénégations. Vite. Là, on est vite. Ah, retour à la jungle, mais j'ai plus qu'une vie, donc c'est là. Alors, si j'atteins le monde des glaces alors que je démarre la jungle avec une vie, ce serait énormissime. Ce serait énormissime. Ce serait la session de Spell Lucky à sauvegarder de tous les temps me concernant. Non, j'ai deux vies quand même. Bah oui, j'ai eu la nichouille. Et heureusement d'ailleurs. Non, mais. Oh non! Pas les guêpes! Oh, il y a du pur nectar, mais alors pour l'atteindre, vas-y, toi. Aïe. Voilà, ça a déjà très mal débuté. Il y a du pur nectar, mais alors pour l'atteindre. Ah, attendez, il y a quelque chose à faire. Alors, j'avais vu dans mon ralenti qu'à moi il y a un pur nectar à prendre, ça donne 5 ou 6 vies d'un coup, c'est énormissime. On va essayer des choses. Bougez quoi. Bon, on va en jeter un serpent, c'est rigolo. De toute façon, on mise dans la mise. Ah, alors. Eh ben, c'est foutu. Je vous avouerai que je pensais à ça. Les totems qui piquent pour les guêpes. Je me serais arrangé pour qu'elle. Mais ça a merdé. Oh, j'aurais tenté. Allez, encore un quart de spawn Lucky, puis on va passer à la promenade. Est-ce qu'il tombe au bout d'un moment? L'animation rigolote, mais. Est-ce que le jeu en provoque la chute? J'ai l'impression. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si je suis pété la main une fois, c'est pas mal. Voilà, comme ça, il n'y a plus de piège. Hop là, il est très sérieux. Merdoum, ça me fait suer de faire mordre bêtement par une chauve-souris.
Oh là là, je dis plus rien parce que je suis perdu dans mes pensées concentrées comme le lait sur le feu. Merde. Faire une arrivée pareille, ça doit être interdit. Mais non, mais j'ai plus de bombe, elle est pas morte. Évidemment, la mini, elle a parlé d'une attaque. Soupir, gros soupir de dégoût quelque part. Parce qu'une arrivée pareille, ça ne doit pas exister. C'est un peu le guet-apens de l'araignée géante. Ah. J'espère que la clé est pas. Alors j'ai plus de bombe. Il faut pas que je me. Ah, la clé en bas. On vient de la voir. Alors attends, là, je vais déclencher le piège à moi. J'ai plus de bombe, comment je rejoins? Voilà, ça c'est fait. Je sais même pas ce qu'il va en haut, je vais vérifier. Je m'en moque un peu en même temps. Configuration à la CON. Non, c'est impossible. C'est impossible. À moins de. Bah non, il y a la toile qui la protège, donc je peux pas acheter le truc en projectile. Oh là là, Spell Lucky. Spell Lucky de la moitié. Combinaison de l'impossible. Hop, attrape le coffre. C'était drôle. C'était drôle pour moi, pas pour les chauves-souris. Oh, ce serait tellement tentant. Non. Mais pas de bêtises. Ah, il y a. Ouais, ah, il y avait une chose dans la. Il y avait une bestiole dans la. Ça giclait de sang, la jarre, quand le coffre était dessus. Merci. Le reste, je m'en moque un peu. La clé en or, elle est où ici? J'entends une blonde. Non mais cette configuration. Dans la dernière tentative, après on passe à la promenade. Parce que le temps que Nayone arrive, comme on a déjà vu la première demi-heure précédemment, Nayone arrive en cours de route. Cette fois-ci. Autant j'avais démarré de manière tonitruante, autant là on sent la fatigue s'installer dans la routine Spell Lucky. C'est dans ce moment-là qu'on se dit qu'il faut changer de jeu pour pas faire de la mouise en direct. Merde! C'est une catastrophe! C'est nullissime. Ah oui, il faudra que je me fasse la boisson quand je vous aurai lancé la promenade. Je vais avoir Swift.
Je vais voir Swift. Ah, oh, juste pour le délire. Pour le délire. Ah. Oh, la totale. Le vendeur, les araignées, le voilà. Ah, ah, ah. J'ai la somme de toutes les malédictions. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là, le magasin du vendeur, il n'y a plus rien. C'était une liquidation totale. Liquidation totale de la moitié. Et je lance le boulet parce que c'est drôle. Allez, continue. Tue-moi tout le monde. Sois abject, boulet. Tiens, je peux même pas descendre tellement qu'il est bien abject. Je peux presque le relancer encore une énième fois. Bon, l'araignée, tu... Mmh. Ouais. Fais du all suspense, l'araignée. J'ai l'impression que le marchand est mort. C'est mort ? Je vais encore relancer le boulet. C'est juste pour finir en délire, vous voyez. Allez, c'est parti. Bah tiens, je vais prendre la clé en or. Non. La blonde est là-bas. Bobo la tête le gros dinet. Putain, c'est fou. Le serpent qui est posé sur le... Vite, vite, vite. Ah, ah, je me barre avec la thune. Alors, je sais pas où sont passés les articles du vendeur, mais je pense que tout a été pulvérisé par les trois voyages du boulet. C'est la première fois que j'ai trois voyages du boulet, de haut en bas. Et ça a dû tout bousiller, mais puissance 1000, quoi. C'est... Donc là, ma partie, elle est injouable. Parce que les bandits se souviennent de l'info que j'aurais fait, là. Les vendeurs vont vouloir... À mort. Merde, c'est dommage qu'il y ait une grosse araignée. Merde. Je descends par là. Ouais, apparemment, c'est la meilleure des choses à faire. Ah. J'entends une demoiselle en détresse. Qui s'est passé là? Dommage. Ok. J'aurais tenté. À l'instant. La blonde est en bas qui fait pas du chocolat. Oh non! Ah oui! Oui, c'est la revanche. Ça va, je... Mais il s'excite tout seul avec son fusil, le papy. Ça parle mal. Je l'ai feinté. Et j'ai abandonné la blonde à chausser les chachas. Et j'ai feinté le papy au fusil. Le papy au fusil. Si tu l'irrites, tu perds la vie. Ah, une bombe, une bombe. Cinéma. Une jarre s'est brisée. Si je vous affirme qu'une blonde est brisée, c'est triste. La blonde au cœur brisé. Bon, cette ouverture de passage ne m'a servi strictement à rien, surtout que j'ai plus de boom.
C'est fou de se lancer dans Spell Lucky avec un désespoir fou. Je sais que j'ai pas ce qu'il faut pour finir le. Et pourtant. Je vais tenter jusqu'au bout, je sais pas où. Waouh! Yep. Ah, là il m'a eu. C'est le bordel. Ouch. Tiens, tiens. Ah! Voilà. Cette image honteuse. Un jour, je déverrouillerai le monde des glaces. On l'a entreaperçu une fois, mais j'étais fauché en thunes et en bombes. Souvenez-vous que je peux aller là. Bon, là, je peux faire un entraînement dans la jungle. Mais lui, là, hein, ça coûte cher. Il m'aurait fait une grotte d'accès aux glaces. Et je pourrais vous offrir un peu de nouveauté. Et moi, me faire un entraînement spécial. Entraînement spécial de grand ninja des cavernes. Allez. Ah. Alors, je vais astucieusement jongler avec ma manette. Non, je vais éviter de faire un pêle-mêle de câble. Alors. Ouais, donc je vais couper très rapidement. L'OBS et leur lancer. Bougez pas, ça va rapidement couper et je vais vite relancer derrière. A tout de suite, les copains.